Bonjour à tous. Nous allons maintenant voir les sorties de bunker longues, autrement appelées les sorties de bunker de fairway. Donc voilà, on a raté le fairway de peu. On se retrouve dans ce grand bunker. Le green est encore à 120 mètres de nous. Et bien en fait, c'est pas si compliqué. En plus, la balle est plutôt bien placée. Tout semble assez plat. La particularité, une fois encore, c'est qu'on ne peut pas poser le club sur le sol avant de frapper la balle. Donc ce qu'on peut faire, la petite astuce pour bien sortir de ces bunkers, c'est d'être concentré sur le contact. Et pour avoir un bon contact, donc frapper la balle, balle et ensuite le sol, l'idéal, c'est de mettre la balle un petit peu à droite dans le stance. Autrement dit, si vous êtes droitier, vous mettez votre balle un petit peu plus sur votre jambe arrière, donc la jambe droite, et si vous êtes gaucher, évidemment, sur votre jambe gauche. L'objectif sera de toucher la balle en premier, on tape la balle, ensuite le sol, et ça nous permettra d'avoir un contact un peu plus régulier et de faire une distance tout à fait raisonnable. Démonstration. Bonne partie. Alors, prêt à affronter le parcours ?